Et bien salut à tous, c'est Dodo Info, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo avec le produit de la marque Staley. Donc je pense que vous l'avez deviné, j'ai fait un partenariat avec cette marque, donc c'est mon tout premier partenariat. Donc vraiment j'ai envie d'avoir plein de likes sur cette vidéo. Je remercie aussi énormément la marque Staley de m'avoir envoyé ce produit pour vous le faire découvrir en vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et sur ce, c'est parti. Donc dans un premier temps, ici on retrouve la plaque. Sa matière c'est du plastique. On a des gravures qui vont permettre à la lumière de refléter pour donner un aspect visuel 3D. Donc ensuite nous avons le socle qui va envoyer la lumière sur la plaque en plastique et qui va refléter sur les gravures. Ensuite nous avons un bouton qui sert à deux fonctionnalités. La première d'allumer ou d'éteindre la lampe. Et la deuxième, de choisir le mode qu'on veut pour la lumière. Et derrière ce petit socle, nous retrouvons une entrée mini USB. Et derrière moi, nous avons le câble USB 2.0 vers mini USB. Alors ce qui est bien dommage avec ce produit, c'est qu'il n'y a pas le chargeur vendu avec. Donc le chargeur, c'est le petit socle que vous branchez sur votre prise, là où vous venez brancher votre USB 2.0. Donc, ça, c'est pas fourni, donc peut-être chez certaines personnes, ça risque de les déranger. S'il faut, certaines personnes n'ont pas ce petit chargeur. Donc ils seront obligés soit de le brancher sur un PC, soit d'en acheter un. Donc on a tout vu, maintenant on va passer au montage de la lampe. Pour commencer, on prend la plaque en plastique et on l'insère dans le socle. Donc attention, il faut forcer un petit peu jusqu'à ce qu'on entende le petit clac. Et ensuite, c'est bon, votre plaque est insérée dans votre socle. En deuxième partie, on va venir brancher le mini USB derrière le socle. Là, on vient brancher l'USB 2.0 sur le chargeur. Et dernièrement, on vient brancher le chargeur sur la prise du courant. Et voilà, nous venons de monter rapidement la lampe. Maintenant, il ne manque plus qu'à appuyer sur le bouton Power. Et au final, vous appuyez pour allumer ou éteindre votre lampe ou pour changer de mode. Donc avant de vous quitter les amis, ce produit n'est plus disponible chez Amazon, donc je ne l'ai pas retrouvé, donc peut-être qu'il n'y a plus de stock, ils vont en remettre, j'en sais rien. Donc dans la description de la vidéo, si vous voulez un produit à peu près du même genre, je mettrai d'autres produits de cette marque. Je remercie encore la marque Staley de m'avoir envoyé ce produit. Sur ce les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager et aussi me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce produit, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter un. Vous pouvez aussi me poser des questions sur ce produit, je vous y répondrai sans problème. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.